Ici, c'est vraiment un hommage à la couleur et à toutes les inspirations de Saint-Laurent. Puisque quand Saint-Laurent et Berger sont arrivés pour la première fois en 66 au Maroc, qu'ils ont acheté immédiatement une maison ici, Saint-Laurent a dit avoir découvert la couleur ici, une véritable épiphanie de couleur. Son travail était plutôt sombre et noir auparavant. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, Saint-Laurent est véritablement devenu un orientaliste et un coloriste unique. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans la sélection des modèles qui sont présentés ici. Où on présente des vestes brodées qui rendent hommage aussi aux grandes maisons, aux grands ateliers qui ont contribué aussi à la réussite et aux créations extraordinaires qu'on peut retrouver dans cette exposition. Je pense à la veste hommage à Vincent Van Gogh, les Iris, qui a nécessité plus de 600 heures de travail et qui à l'époque avait été la veste la plus chère de l'histoire de la couture.